La région de Tiznit est connue pour ses bijoutiers qui fabriquent les bijoux traditionnels à Mazyr. Les plus belles créations de la bijouterie artisanale du Maroc sont fabriquées dans cette région. Les bijoux à Mazyr sont essentiellement faits en argent. Ils peuvent être lourds et imposants ou au contraire discrets et légers, ornés de motifs colorés et géométriques. Tous ces bijoux ravissants s'adaptent aux goûts et aux préférences de toutes les acheteuses et les bijouteries sont nombreuses à Tiznit. Mohamed El Asri est artisan bijoutier à Tiznit. Son atelier est situé dans l'ensemble artisanal de Tiznit. Aujourd'hui, il commence la fabrication d'une fibule. La fibule est un bijou traditionnel à Mazyr, que l'on trouve dans tout le Maroc. En même temps que d'être un bijou, c'est aussi une broche, permettant de relier ensemble deux pièces de tissu du vêtement. Enfin, grâce à la pointe acérée de son aiguille, elle pouvait aussi servir d'arme de défense pour les femmes. Mohamed El Asri commence par découper les fines barres d'argent qui vont former le cadre de la fibule, puis il les soude entre elles. Ensuite, il commence à placer les éléments de décoration à l'intérieur du cadre. La fibule, comme la plupart des bijoux traditionnels à Mazyr, est faite en argent. Ce qui fait de ces bijoux, en plus du côté décoratif et du plaisir de les porter, une forme d'épargne que les femmes portent sur elles. Ce qui fait la différence entre le travail des différents artisans, c'est la finesse du remplissage du corps de la fibule, fait d'une sorte de dentelle de minuscules morceaux d'argent repliés sur eux-mêmes, qui sont soudés entre eux au centre de la fibule. Tous ces morceaux sont nettoyés dans du corobol, une sorte d'acide qui les débarrasse de toutes les scories de soudure. La fibule est un des bijoux emblématiques des bijoux à Mazyr et sa forme est reprise sur beaucoup d'enseignes de bijoutiers. La forme de ces bijoux remonte à l'âge de bronze et on en a retrouvé dans des fouilles archéologiques vieilles de plusieurs milliers d'années. Il faut 3 à 4 jours de travail à Mohamed pour faire une seule fibule. Une fois le travail terminé, Mohamed examine minutieusement son travail pour effacer toutes les imperfections. On a l'impression que le centre de la fibule n'est constitué que d'argent massif. Il faut la regarder en transparence pour s'apercevoir qu'en fait, c'est une dentelle de métal. Une fois qu'il a fabriqué plusieurs bijoux, Mohamed se rend au souk pour les vendre.
La fibule est constituée de plusieurs éléments. La plaque centrale, faite de la dentelle de minuscules morceaux d'argent et de motifs géométriques, peut être incrustée de pierres ornementales ou précieuses. Cette plaque est terminée par une épingle à la base de laquelle est fixé un anneau brisé qui servait à relier ensemble deux pièces de tissu. Aujourd'hui, les bijoux traditionnels ont perdu le plus souvent leur utilité primitive. Ils sont devenus essentiellement des objets de parement, qui plaisent aux clientes modernes pour la beauté de leur fabrication.